accolades. Got Will's son, no castaway. I'm twice as good, get half the praise. Throw a sniper up and I blast away. You ain't getting through me. Nah, Tim Howard, been here 10 hours. My chick's sour. Rising and falling together, though, like we the Twin Towers. Nothing's taking, I'm frustrated. If I could only get just to blaze it, ain't no doubt that I'd muster greatness. No chip off. Eh, Cerise, ça va ou quoi, frérot? En tout cas, aujourd'hui, pour ma part, ça va plutôt pas mal, et on va se retrouver avec une vidéo un petit peu spéciale, car aujourd'hui, je vais tenter une chaîne communautaire, en particulier Code CF et Code QG. En tout cas, je les remercie d'avance si ils m'uploadent. Alors, au niveau du gameplay, ça va être une double nucléaire réalisée à la MX Garand sur la map Combine. C'est un gameplay réalisé par ENDC, Lexis, et d'ailleurs, n'hésite pas à aller voir sa chaîne, car elle va bientôt atteindre les 100 abonnés. Également, nous posterons cette vidéo sur la END Clan, le clan dont je fais partie. En tout cas, n'hésite pas à aller voir les deux chaînes, ça me ferait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, au passage, si tu kiffes mon travail, n'hésite pas à aller voir la mienne non plus, mais c'est secondaire, t'inquiète, t'inquiète. Alors, il faut savoir que le player a réalisé un gros travail, car la MX Garand est une arme plutôt difficile à jouer. En effet, elle ne contient que 8 balles dans son chargeur, et on est obligé de vider son chargeur afin de pouvoir recharger. Donc voilà, encore un gros GG à lui. On va passer directement au sujet, donc aujourd'hui je vous propose la comparaison des killstreaks de Call of Duty Black Ops 3 avec bah, tout simplement les killstreaks qui existent en réel. Commençons directement avec la RCXD. Donc il faut savoir que tout d'abord il y a beaucoup de reproductions qui ont été réalisées par des fans. Mais ici moi je vais plutôt vous parler d'une voiture explosive télécommandée à distance utilisée par l'État islamique ou encore autres groupes terroristes. La photo que vous regardez actuellement a été prise lors d'une vidéo de propagande de Daesh, si je ne me trompe pas bien entendu. Passons ensuite au drone. Pas besoin de description il me semble. L'image qui se trouve sous vos yeux est un drone américain. Il est donc piloté à distance et équipé de caméras perfectionnées afin d'observer les positions ennemies. Au niveau du colis stratégique, je vais rester dans le réel et vous parler de largage de ravitaillement. Essentiellement utilisé par l'armée, ce dernier permet un réapprovisionnement rapide si celui-ci est rempli de munitions. Mais il peut également contenir du matériel. Pour illustrer mes propos, j'ai choisi un largage qui contient 1800 kg d'explosifs d'après la description de la photo. Sous vos yeux, vous observerez un drone de brouillage russe. Lui, il permet d'empêcher toute communication d'une manière spéciale. En effet, c'est un système de guerre électronique capable de déconnecter de manière ciblée les radars ennemis et les systèmes de contrôle de drones sans pour autant brouiller ses propres communications. Au niveau du coup près, je peux vous parler d'un drone armé. Tandis que pour le Guardia, après des recherches qui n'aboutissent à rien, je crois que c'est purement fictif, et d'après d'autres recherches, j'en suis sûr. En tout cas, pour le moment, aucune forme de Guardia existe, et je crois que ça sera pas pour tout de suite. Ensuite, je vais vous parler du bombardement. Donc pour le bombardement, j'ai pris une photo d'un B2 américain en plein largage. Les bombes sont proches, mais elles balayent un grand espace dû à la loi de la physique, ou plus ou moins de l'apesanteur. Enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Néanmoins, cela reste très précis, et oui, des fois c'est même calculé. Au niveau du missile Hellstorm, on parlera de Hellfire, un missile semblable au missile Hellstorm. Ici, vous pouvez observer un véhicule blindé britannique qui lance un de ses missiles. Alors honnêtement, je ne sais pas s'il est télécommandable en temps réel, mais comme tout missile, il est programmé pour frapper à une certaine destination. Ensuite, passons à la tourelle automatique, ou plutôt télécommandée. Pour illustrer mes propos, voici une tourelle automatique navale taïwanaise de 20 mm. Cette dernière se trouve dans un hall des foires, justement, c'était le hall des foires des armes à Taïwan. Parlons ensuite du Cerberus. Voici une tourelle de tir mobile utilisée par l'armée américaine en Afghanistan et en Irak, notamment lors des opérations de déminage. Mais tout comme dans Call of Duty Black Ops 3, grâce à cette tourelle mobile, vous pouvez tirer des missiles et justement avoir une petite mitrailleuse à votre disposition. Donc comme je l'ai dit, on peut l'observer lors des opérations de déminage. Je sais pas si vous avez vu le film Démineur, mais en tout cas c'est un beau film que j'ai vraiment apprécié. Et donc bah justement, on utilise cet engin. Pour la colère divine, je vous renvoie au bombardier car c'est plus ou moins la même chose. Pour le rapace, je n'ai rien trouvé à part vous parler d'un drone quadricoptère avec une petite mitrailleuse en devant. Et oui, c'est quand même rare. Pour le fantôme, j'ai choisi un hélicoptère de combat français appelé NH90 ou encore NH90 pour les français. Il est capable de lancer des missiles, larguer des leurres et mitrailler. Et oui, larguer des leurres pour esquiver les missiles, tout comme les systèmes Trophy. Voilà, ça n'a rien à voir, mais voilà. Pour le hater, j'ai choisi un satellite militaire américain qui s'occupe de la météo. Il permet d'évaluer le temps comme vous le savez. Il fait partie de DMSP, qui veut dire Défense Météorologique Satellite System. Il permet d'évaluer la météo au niveau militaire, car tout simplement lors des opérations ou encore d'autres choses secrètes. Pour les RAPS, c'est purement fictif, tout comme le soldat GI. En tout cas, pour l'instant, ça n'existe pas et je crois que ça ne va pas arriver d'ici 2-3 ans. Lol. Pour terminer, je parlerai de noyau énergétique.
Ils n'existent pas à proprement parler, mais je vais vous parler des grenades IEM qui y ressemblent fortement. Car en effet, les IEM existent réellement et neutralisent tout ce qui est électronique. Je vous ai donné un petit manuel, voilà, on sait jamais au cas où vous utilisez des grenades IEM. Pour terminer, je vais vous parler du vaisseau-mère. Malgré sa forme bizarre, il ressemble à un AC-130 et endommage pas mal de dégâts. Je vous laisse sur cette belle photo. En tout cas, j'espère que tu as apprécié ce comparatif, car en tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de réaliser ce travail. Donc voilà, c'est vrai que j'ai effectué quelques recherches sur Google et tout simplement sur Google Images pour récupérer les images. En tout cas, voilà, j'ai essayé de faire mon maximum, car c'est vrai qu'il y a quand même des killstreaks donc de BO3 qui n'existent pas. Mais bon, voilà, j'ai essayé quand même de pousser un petit peu plus loin afin de d'avoir un petit peu de contenu. Voilà, c'est quand même un petit peu plus sympa. Donc voilà, on va revenir un petit peu au niveau du gameplay. Donc vous voyez là, il est plus ou moins à son 15e frag. Voilà, c'est vrai qu'il a mis un petit compteur au-dessus. D'ailleurs, je suis désolé pour le son, mais le player a mis une musique dans le fond de ma vidéo, et comme je l'ai téléchargé sur YouTube, et ben voilà, tout simplement, je savais pas récupérer le son du gameplay sans avoir la musique, donc voilà, j'ai décidé de supprimer, car tout simplement, c'est pas mon style de musique, et puis tout simplement, je trouve que ça allait pas trop avec. Donc voilà, en tout cas, encore un gros GG à lui, et n'hésitez pas, vraiment pas, à aller voir sa chaîne, car en tout cas, il va bientôt avoir les 100 abonnés, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, et je crois qu'il le mérite vraiment, car c'est un first effort, donc voilà, je sais pas si je l'avais précisé dans le début de la vidéo, mais en tout cas, ça... c'est world record au niveau de la communauté française, on va se le dire comme ça. J'espère en tout cas que tu as vraiment apprécié la vidéo. N'hésite pas à lâcher un j'aime, car voilà, ça a fait quand même un petit peu de travail et moi ça me fait toujours plaisir. N'hésite pas à passer sur les chaînes donc, que j'ai été dit, donc l'AEND Clan, celle de Lexi et encore la mienne. Voilà, en tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo et j'espère vraiment que Code QG va m'upload. En tout cas ça serait ou Code CF, voilà, un des deux. En tout cas ça me ferait extrêmement plaisir et merci à eux s'ils le font. Donc comme vous le voyez ici, il a ses 25 frags, donc voilà, il va bientôt avoir sa deuxième nucléaire. Donc il faut savoir qu'il était en groupe de 3, voilà, je le précise, comme ça c'est pas du G6, il n'y a pas de blocage de spawn. Donc voilà, je mélange un petit peu mes mots, mais voilà, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos avec un sujet très très bien préparé. Donc voilà, et c'est vrai qu'ici j'ai mis quand même beaucoup de chance derrière moi pour pouvoir être upload. Donc voilà, ici il va terminer sur un gros score de 99 à 12, voilà, j'essaye de parler comme vous, comme ça, c'est plus facile. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez vraiment kiffé. C'était Riz, à la prochaine, et à bientôt, j'espère, franchement, à la prochaine.